On se retrouve ici à Reims pour la 4e édition du Village des recruteurs. Et cette fois, nous sommes sur le stand de la FPAM. L'AFPAM, tout simplement, avec Maud Sailly. Bonjour Maud. Bonjour. Alors déjà, première question, peut-être l'AFPAM, qu'est-ce que c'est ? L'AFPAM, c'est un centre de formation. On a fêté nos 50 ans cette année. Je sais, ça se voit pas, j'ai l'air très jeune comme ça. Mais on a fêté nos 50 ans cette année. On est spécialisé dans l'alternance du bac au bac plus 5. C'est ouvert à tout le monde, à tout public ? Alors, on fait, du public de 7 à 77 ans, comme on peut dire dans le jargon, mais on fait de la formation continue qui est ouverte à un public de demandeurs d'emploi, à des jeunes qui souhaitent faire de l'alternance, tout public, où il n'y a pas de spécialisé dans le commerce. Alors, je vois gestion administrative, gestion de projet, relations clients, digitalisation, il y a énormément de thématiques que vous abordez, plus de thématiques que vous ouvrez, je crois. Oui, on va ouvrir la logistique à la rentrée de l'année prochaine. Et on est spécialisé dans le commerce, marketing management, distribution, ressources humaines et à la rentrée prochaine de la logistique. Voilà. Alors peut-être c'est important de le préciser, c'est aussi ouvert à autant femmes que hommes, c'est tout le monde. Oui, c'est tout profil. Tout profil qui souhaite développer ses compétences dans le commerce, dans la négociation, dans les ressources humaines, c'est nous qui pouvons venir voir. Alors je vois que Job Dating Insolite, oui. Vous organisez aussi pas mal Exactement, de choses. Ouais. En quoi est-ce que c'est important pour vous d'être ici au Village des Recruteurs ? Ben, il faut, déjà pour notre notoriété, on a besoin d'être présent sur des événements comme tels. Là, vous voyez Job Dating Insolite, on veut bouger les codes du Job Dating. On veut essayer d'être novateur un peu sur tout ça. Le Job Dating Insolite, là, on a prévu de le faire dans un bar. Donc ça va bouger tous les codes. On a besoin de se faire connaître un peu plus chaque année. Eh bien, merci beaucoup Maud. Vous voyez, si vous aussi vous avez envie de bouger les codes, eh bien, venez rendre visite à Maud sur le stand 34. C'est l'AFPAM et on se retrouve nous très très vite avec une nouvelle rencontre.